On prend tout de suite la direction de Donostia. Egunon, Sergio Puertas. Egunon, Luca. Comment ça va la météo ce matin? Eh bien, très douce, comme en Andailles. Un petit degré de plus quand même. 16 degrés, très doux, très bon. Ciel couvert. Nous aurons peut-être quelques gouttes de pluie, pas méchantes, aux alentours de 14 heures. Ça passera, donc le soleil est en rendez-vous pour son long week-end, puisque je rappelle que mardi prochain, ce sera jour férié en Espagne. On obtiendra la victoire avec 8 points de différence par-dessus le Parti Socialiste, mais qui devrait trouver quelques alliances pour pouvoir gouverner. Important aussi le rôle que les nouveaux partis émergents Ciudadanos, qui représentent le centre, et Podemos. Donc un mélange basque-américain, beaucoup de swing, beaucoup de... ça donne envie, vraiment. Fermi Mourou, ça fait des choses vraiment extraordinaires. Milashker, je souhaite de passer un bon week-end et à lundi. À lundi, bon week-end. Salut. Adieu. France Bleu. Est-ce que Smetanin va revenir? Oui, il est limite, Pierre Domenico. Et peut-être Laurent Roux aussi dans la roue de Smetanin. Ça sera dur pour Laurent Roux de battre un vrai sprinter, Smetanin. Smetanin qui a fait quand même l'effort. Laurent Roux qui va maintenant déborder sur le côté droit. Laurent Roux peut-être, il se relâche Smetanin. Laurent Roux va s'imposer. Laurent Roux, victoire d'étape, c'est superbe. Non. Crème ? On va vider. Après, je recharge à... Oui, un café crème, s'il te plaît. Je vais vider la bonnute. Et après, je pars recharger dans le Gers pour rentrer chez moi. Voir après ce que... Voir, tu t'annonces. Si, déjà, s'ils veulent monter ou pas. Et après, au moins, avoir un prix départ. Mais pas si loin quoi. Pas tu n'auras pas le prix qui vend ici quoi. Hein. Pas ici, je sais pas, ça va tourner à 210, 220 quoi. Hein. Non mais ça c'est livré ici. Oui. Pas départ d'Espagne. Ah non, pas départ d'Espagne. Non. Départ d'Espagne. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut en faire du souci. Hein. Et tu crois que tous les jours là, chez les clients, c'est comment? Tu dis qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, toi t'as le bon là. Ouais, ouais, c'est toujours la femme du voisin, elle est toujours mieux. Quel mauvais rôle, c'est une vie décharge. Ouais. Tu dis, j'aurais pu ne pas vous répondre et ne pas vous amener. Mais t'inquiète, que il doit le... Non, mais... Oui, mais t'as raison. Il faut des fois faire le dire, mal, le dire. Ouais. Faire mal. Tu sais, une piqûre de rappel. Tac. Tac. Faut pas s'amuser tout le temps. Sylvie, on a une star ce matin. Laurent Roux. Mais si, bah, il a pris un petit peu de poids, mais bon. Attends. Ouais, ça, c'était pas la peine de le dire. Non, mais elle avait l'air de pas te reconnaître. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça. C'est ça. Vous voulez des photos de quand je courais? J'étais allez, un peu. Pourquoi pas? Ça, c'est au Tour de France. Est-ce que c'est moi ou pas? Non. Non. Ben oui. C'est Laurent Roux. Ben oui. Mais si. Maintenant, tu te souviens, c'est ça? C'est le maillot. Ouais, ouais, c'est... Tu dis? Cassé! Cassé! C'est au Tour de France? Vous savez que je l'ai avec Armstrong? Je l'ai, oui, la photo avec Armstrong, quelque part. Mais c'est pas grave. Hein. Oui, non, je vais vous trouver, oui. T'es là! Qui c'est qui est devant? C'est dans l'Alpe d'Huez.
Ah oui, quand même. Eh oui. Comment on est petit. Ouais, bon, après, pour connaître Laurent Rousse, il faut aimer le cyclisme, quoi. Ben oui, voilà. Bonjour, c'est Laurent. Bon, oui, ça va. On s'excuse, on a pris un petit peu de retard, mais on est à Orthez. Monsieur Lagarde. Ah si, je croyais que je m'étais trompé, mais non, je crois que je suis bon. C'est sous l'église là qu'il me faut tourner à droite. Là. D'accord. Je suis là. Ouais, merci. Ouais, c'est bon. Bonjour. Et je me reconnaissais pas, hein. Et c'est avant, c'est en travers là-bas. Là-bas en travers. Et tu te mets un peu dans l'angle, comme ça on va arriver. C'est tout pour moi là. Oui. C'est bon là. Non, aucun problème. Bon, ça fait longtemps, oui. Oui, c'est bien, c'est serré la main. Ça fait longtemps. Notre fois, c'était le jour de Noël. Il reste plus qu'une boîte. L'entreprise de Hardit, un ancien fournisseur de paille, et donc j'ai suivi ce qu'il a pris la retraite, hein. J'ai suivi le successeur. Quoi. Vous le connaissez depuis longtemps? 4-5 ans, mon avis, je sais pas. Vous le connaissiez avant? Non, du tout. Vous ne saviez pas quelle vie il avait? Non. Il vous en a parlé? Mais il m'a appelé là, disant que... Non, c'est Monsieur Rousse qui m'a... Non, Monsieur Hardit, qui s'appelait à l'époque, qui m'a dit qu'il y aura un successeur et... Et il vous a pas dit la vie qu'il avait menée avant? Ah, non. On en a parlé après, oui, qui était aussi un cycliste. Et... Voilà. Il vous a dit quoi? Bon, je trouve qu'il était très fort. Et c'est tout. Voilà. Deux frères. Si. Il y avait un frère. Moi j'avais un frère. Mais après on était deux à courir. Il y a moi, donc Laurent Roux avec un X. Ouais. Et en même temps, il y avait Didier Roux avec un S. D'accord. Et moi qui habitais à Cahors et lui à Montauban. D'accord. Donc on était. Et la prononciation, beaucoup de monde dit Roux. Donc Roux, on prononce pas le S, pas le X, et souvent il y a eu des amalgames encore. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez fait du sport?
Non, je suis un peu le vélo comme ça. Comme ça? J'aime bien, ouais. Par passion? Ouais. Plus assis dans la télé, mais tout ce qui est montagne. Oui, oui. Je trouve que c'est les plus belles étapes qu'on ait, quoi. Ouais, la montagne, c'est... Hein? Souvent, les grands champions, ouais. C'est des grands grimpeurs. Ouais. C'est dans la montagne que c'est écrit l'histoire du... Enfin, le plus grand champion, on l'a mis à plat quand même. Hein. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais et après, ouais. Parce que j'avais rien d'émission, juste par rapport à problème de santé, le dopage, et il y avait justement un de vos collègues qui a dû courir avec vous, et je pense, ou après vous, je sais pas. Et... Vous savez plus le nom? Non, de tête, non. Je vais pas vous le dire. Eh oui, le dopage, de toute façon, reste la grande interrogation. Ouais, ouais, ouais. De qu'est-ce qui se passe avant, des conséquences, des... voilà. Enfin, les conséquences, ouais. Il y en a quelques-unes qui sont ressorties quand même. Hein. Pas réellement. Ouais, il y avait, comment il s'appelle, qui a fini présentateur, là. Putain, il a très mal fini son Tour de France, comment il s'appelle, le blond. Laurent Fignon. Laurent Fignon, qui avait laissé entendre quand même que pour lui, son cancer, il était dû à ça aussi. Non? S'il n'y avait que les gens qui se dopaient, qui avaient le cancer. Ouais, ouais, non, mais bon, non, ça ne doit pas aider non plus, je veux dire. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Pour, après, franchement, je sais pas. Enfin, moi, je pense qu'on se fait pas du bien en s'injectant quelque chose dans le corps. Enfin, je sais pas. Hein. Je n'en sais rien. C'est comme tout dans la vie. C'est un choix à un certain moment. Parce que tous les sportifs qui disent on m'a dopé, je le savais pas à mon insu. Non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est des conneries, mais c'est. Sûr. Voilà, comment on peut croire à la crédibilité de quelqu'un qui dit ça? C'est pas vrai. Parce que si tout le monde disait ouais, j'ai joué avec la réglementation, j'ai pris ça, voilà, ça pourrait faire évoluer les choses. Faites un petit prix aujourd'hui parce qu'on a perdu un peu de temps. On va en faire un grade alors, hein, vu le temps qu'on y a passé. Voilà, vous en avez, deux francs par tonne. Hein. Deux francs, ça va le faire. Ouais, non, c'est mieux 2 euros. Bon, déjà, je suis en train de faire les calculs, vous avez vu pourquoi? Vous voyez? 12 ans. 140 ans, plus 9. 970 égale 22 tonnes à 110 divisé par 63 bottes égale. Ah oui, j'aimerais savoir ça. 350 kg. De la droite, on avait dit. Vous voyez, vous avez vu qu'il y a des bottes, hein, parce que l'estomac ne veut rien savoir, qui sont noires dessous. Oui. Donc, du coup, je pense que ça fait l'équivalent d'une botte. Oui. Donc, j'ai enlevé là, au ticket de pesée, 350 kg. Très bien, c'est gentil. Non, c'est juste. Je trouve logique. C'est voilà, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est bien. Voilà. Et le nombre de votes, on a dit 63. 21.760 fois. D'ici un mois et demi, il faut revenir. On va m'appeler. Un peu avant. Oui. Comme d'habitude. Voilà. Le TTC. On ne cache pas les bons. Ça fait 1675 euros. 52. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quand on payera, mais. Pour l'instant, c'est encore bon. Marché conclu. Jusqu'à la prochaine fois. Allez, Thibaut, tu viens de finir de rouler, alors 2 mains, va faire ta sortie de décrassage et éclate-toi dimanche. Voilà. Allez, ça marche. Super, génial. Ciao Thibaut. C'est mon neveu. Il reste plus que lui qui fait du vélo dans la famille. Hein. Puisqu'ils ont tous démissionné les autres. Enfin, je suis son entraîneur. Même si j'aime pas trop employer ce terme.
va bien alors? Ah, tout va bien, non, tout va pas bien, non. Tout va pas bien parce que... Non, tout va pas bien parce que la vérité, c'est que c'est pas ma vie de conduire un camion du lundi au samedi. C'est pas ma vie. Je passe un bon moment chez le client, mais ça dure une heure par jour. Et le reste du temps, c'est pression, pression, pression pour repartir au point de chargement, pour recharger, pour aller relivrer à notre client. Donc après, c'est le caractère de chacun. Mais moi, une heure de plaisir par jour, ça, non, ça ne me suffit pas, quoi. À côté, c'est 15 heures, 20 heures de solitude, quoi. Parce que entre j'ai le téléphone, j'ai les copains, j'ai les filles, bon voilà. Mais voilà. Pourquoi t'as fait ça alors? Pourquoi t'en es arrivé là? Ça, c'est la grande question. C'est quelque chose, et le chargement, on va le voir. Pour vous qui venez de la ville, vous n'êtes pas habitué à ça, mais nous, dans l'agricole, la paille aujourd'hui, il peut prendre de la paille, des fournisseurs, il y en a tant qu'il en veut, et sans doute même aussi des moins chers que moi en ce moment. Mais après, on crée autre chose. Puis après, il faut aussi être là qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais bon, Laurent, moi, c'est le côté sentimental aussi, quoi. Non, mais c'est ça. Il a fait un métier qui était très difficile et que je connais un petit peu parce que tout gamin, nous avions un plâtrier. J'étais tout jeune, un plâtrier qui s'est mis à faire du vélo. Il était très doué. Et après, il est parti, il a fait le Tour de France. Il a fait le Tour de France? Ah oui, oui, oui. Et il a fini dans les 10 premiers du temps d'Eddy Merckx. Ah, quand même. Ah oui, oui. Après, il était très limité en contre-la-montre. Et voilà. C'était un escaladeur, quoi. C'était vraiment le... Quelle que soit l'entreprise, quelle que soit les... Oh non, putain, elle va devenir la star, elle. Arrêtez, quoi. Tous les jours. Non mais voilà, tu vois. Sauf que ça a commencé ce matin à 7h et que là, une journée ordinaire, je repars en Espagne. Et que là, c'est rigolo parce que vous êtes avec moi et qu'on discute. Mais quand tu es tout seul, tu parles à qui au volant? Tout va bien. Il y en a qui aiment, hein. Il va dépasser le Français et venir sans doute s'imposer. On ne voit pas comment cela pourrait se passer autrement. Il va s'imposer au sommet de l'Alpe d'Huez. Ce sera le deuxième Américain vainqueur. Jean-Paul nous disait tout à l'heure, Andy Armstein, petit lapin, ancien vainqueur du Giro. C'était ancien vainqueur du Giro, oui, s'était imposé. Et voilà, Laurent Roux, visage défait, il le sent, il le sait. Armstrong est dans son dos. Armstrong va le dépasser. Sans coup faire rire. Derrière les motos, l'église d'Huez, derrière les deux hommes, Laurent Roux, une bagarre phénoménale pour le Français de près de 200 km. Mais pas totalement inutile, il sera meilleur grimpeur ce soir. Lance Armstrong lancé à une vitesse absolument phénoménale. La vague Armstrong et le pauvre petit Laurent Roux rattrapé alors que pourtant il ne s'est pas désuni, Laurent Roux. Hein, il a bien continué jusqu'au bout. Il y avait 6 minutes 10 au pied de la dernière bosse entre les deux hommes pour Laurent Roux. Il va maintenant falloir finir. Dans l'étape de l'Alpe d'Huez, tu pouvais rien faire face à Armstrong.
qu'est-ce que tu t'es dit quand il t'a doublé? Mais quand il m'avait doublé, c'est l'effondrement total. C'est tous les rêves de la journée entière où je m'imaginais en train de gagner, de lever les bras en haut de l'Alpe, et bien qui en quelques secondes s'effondre et tu te dis, ben voilà, tu vas passer la ligne comme un anonyme et tu vas repartir demain. Avec 10 fois mal, plus mal aux jambes que les autres parce que tu as fait de ça m'en échapper. Bon voilà, j'avais le plaisir de monter sur le podium puisque j'avais récupéré le maillot à poids. Mais bon, t'as tout qui s'écroule quoi. Et quand il te double, tu te dis c'est pas possible cette chaudière. Elle est en train de me laisser sur place ou tu te dis waouh, quel champion. Oh. Honnêtement, aucune pensée de tout ça, ni quel champ. Tu te dis rien du tout quand il te double. Si, quand je me double, non, je pense juste que ma journée, elle est foutue, que j'ai perdu l'étape et que tout est fini et que voilà, qu'en fait, un coup pour rien, quoi. Après, non, à ce moment-là, cette perte-là, en toute sincérité, je me dis pas putain quelle chaudière, ni rien. Ouais, tu veux que je te dise ce que je me dis? Putain, quel gros con de ne pas avoir pris de l'EPO. C'est grave. Parce que cette année-là, j'ai fait le tour à l'eau. Et je me dis, mais quel gros con de ne pas avoir pris de l'EPO. Parce que si je prends de l'EPO, je suis persuadé qu'il ne me rattrape pas. Pourquoi tu décides de le faire clean, ce Tour de France? Ah non, mais en toute honnêteté, ce Tour de France, je décide de faire clean parce qu'il y avait le risque d'être positif à l'EPO, parce qu'ils avaient annoncé, avec le recul, c'est une annonce pour faire peur aux coureurs, en disant, voilà, ça y est, le labo anti-dopage de Château-Malabry détecte l'EPO. Donc, mais tu fais quoi? Tu te dis, je prends le risque de me faire prendre ou je prends le risque de le faire à l'eau. Voilà. L'EPO, pour parler de l'EPO lui-même, le problème est plus compliqué. On nous a jamais dit que l'EPO était interdit. On nous a dit qu'il était interdit de dépasser un taux d'hématocrite de 50. Donc, quand tu sais que l'EPO, ça sert à faire monter le taux d'hématocrite, et que tu vas faire une analyse de sang, et qu'à l'analyse, tu as 42 hématocrites, ben, il y a deux solutions. Soit tu es un saint et tu sors de l'église de Saint-Joseph et puis tu te dis ben non, je suis à 42, je reste à 42. Soit tu es un compétiteur et depuis toujours on t'explique qu'il faut jouer avec tous les règlements pour ne pas se faire reprendre, mais que si on te dit que tu peux être à 49,9, ben, tu prends de l'EPO pour être à 49,9. Et il ne faut pas se voiler la face. Hein. Notre époque, hein, l'histoire de l'EPO, elle a débuté comme ça quand même. Hein. On ne nous a jamais dit que l'EPO était interdit hein, au début. Hein. On nous a dit qu'il est interdit d'être à plus de 50 hématocrites. C'était pas pareil. Mais c'était vraiment fort par rapport à un Tour de France plus clean. Comment ça, la différence? Je sais pas. C'est... La différence? Mais non, mais la différence, c'est le jour et la nuit. La différence, c'est tu vas jouer au pinball, faire une partie de pinball, là. Et puis tu y vas en short et en claquette, et puis l'autre, il y va avec toute l'armure. Voilà. Je t'ai fait le résumé. De toute façon, la vraie question qu'il faut se poser, pourquoi les gens trichent? La vraie question, elle est là. Moi, aujourd'hui, j'ai des longues discussions avec les coureurs dans l'équipe junior. Pourquoi les gens ils trichent? Premièrement, parce qu'on les met en compétition. Donc, à partir du moment où on met des gens en compétition, automatiquement, l'être humain va chercher, s'il est compétiteur, à être le meilleur. Alors, tu vas me dire, oui, mais on peut jouer tout le monde en étant clean. Oui, ok, si tout le monde est clean, pas de problème. Moi aussi, je suis et je veux que tout le monde soit clean. Mais quand tu es au départ d'une compétition, comme je dis tout le temps, hein, t'as qu'à faire
tires à la carabine. Il y en a une, tu mets une cartouche de 22 longs griffes et l'autre, tu mets une balle à blanc. Il y a toujours un qui est perdant, hein, le même. Hein. Pourtant, il y a de la compétition chez les juniors. Ouais, mais on doit leur, à cet âge-là, on est là pour les former et les apprendre. Je veux dire, quand tu vas à l'école, on t'apprend, tu fais bac plus 5, plus 6, plus 7, on t'apprend à devenir médecin, à devenir chirurgien, à devenir, peu importe, maçon, charpentier, d'accord? On t'apprend pas à tricher. Le thème de la sécurité au cœur du déplacement de François Fillon aujourd'hui à Tourcoing. Le candidat de la droite veut renforcer les pouvoirs de police du maire. Il a été chahuté à son arrivée. Deux camps se faisaient face pour accueillir l'ex-premier ministre. Les anti-Fillon ont réclamé sa démission en tapant sur des casseroles, tandis que ses partisans scandaient Fillon. N'importe quel métier que tu fasses, que ça soit le tien, que ça soit le mien, n'importe lequel. Je veux dire, tu es obligé d'avoir des dents longues et de toujours être en train de réfléchir comment tu vas pouvoir être meilleur que ton concurrent pour avoir ta place dans la société. C'est une vérité. Juin 2006, le cadurcien Laurent Roux, ancien coureur professionnel, et son frère Fabien sont condamnés par le tribunal de Bordeaux. 10 mois de prison ferme pour trafic de produits dopants dans le milieu amateur. À la barre, il confie avoir été initié quelques années auparavant à la prise de cocktails à base d'amphétamine au cours de soirées festives. Sauveur. Non, toi. Ça c'est mon ami, les gars. Lui. Je n'y ai pas là. Et j'ai commencé du coup. Mais on avait du boulot, voilà. Après, il faut aller récupérer le cheval. Quel cheval? Le cheval, il s'est échappé. Je te promets. Et on va voir après. Allez. Allez. Non, mais il faut pas faire ça parce que c'est un travail de taré, il faut être taré. Quoi, on fait du vélo avant.
Hop. De la jolie paille, bien longue, voilà, du Lot-et-Garonne. Hey. Voilà, c'est ça. Voilà. Produite par lui-même. Voilà, hein. voilà. C'est ça. Voilà. Dans le Lot-et-Garonne, on est les meilleurs. C'est, voilà. C'est comme ça. Hein? C'est ça, hein. On est pas loin du Lot, mais. Voilà. Durant ma carrière, j'ai eu deux problèmes. Le premier, en 99, contrôle positif lors de la flèche wallonne. Si j'avais réellement pris des amphétamines ce jour-là, je suis positif. Écoute, franchement, tu sais, je suis grand, je le vis, je l'accepte, je suis suspendu, voilà, ok. Mais ce jour-là, je n'en avais pas pris. J'arrive à retrouver la force pour trouver le moral, pour aller m'entraîner, pour etc. Et là, rebarabam, ça recommence l'année d'après. Recontrôle. De nouveau positif aux amphétamines. Non mais c'est, le truc, il est gros quand même. Je passe en commission antidopage. La commission française me blanchit pour vice de forme puisque ces commissaires n'avaient pas le droit de me contrôler. Mais putain, il y a bien quelqu'un qui les a envoyés, les commissaires. Ils sont pas venus me trouver là, dire « t'es, on va contrôler Roux aujourd'hui ». Non, il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui commandite ces commissaires. Et au lieu que l'histoire s'arrête, c'est carrément le tribunal arbitral du sport, donc l'UCI, ces mêmes gens qui ont envoyé les deux commissaires me contrôler, qui font appel de la décision de la commission française, et qui me juge, alors, à Lausanne, devant le tribunal arbitral du sport, et ils me mettent 4 ans. Donc, arrêt de carrière. Mais tu m'expliques, tu peux être, je pense, tout le plus grand, le plus fort être humain au monde, avoir le cerveau que tu veux, comment tu dégoupilles pas. Mais moi, j'ai pété un câble, je suis tombé en dépression. Je me suis mis à bouffer du Prozac, à poignée entière, que le docteur me prescrivait. Et du Prozac, eh bien, j'ai fini par tomber dans les amphétamines. Parce que j'étais tellement malheureux, plus personne ne s'occupait de moi, que je suis tombé dans les amphétamines. Le problème, c'est comment je suis arrivé à trafiquer, c'est que j'ai voulu profiter, j'ai voulu protéger ma famille. C'est-à-dire protéger ma femme, ne pas me servir de l'argent du foyer pour acheter ma cam. Donc, j'ai organisé, ouais, un petit trafic pour payer ma conso personnelle. J'ai jamais gagné d'argent là-dessus. C'était uniquement dans le but de. Le problème, c'est que c'est comme toute la cam. Tu commences à en prendre une fois, puis deux, puis trois, puis quatre. Puis après, tu en prends toutes les heures parce que après, ça fait plus effet. Et puis au final, tu résous aucun de tes problèmes parce que la drogue, elle résout pas les problèmes, elle les cache. T'avais plus d'argent à ce moment-là ? Non, mais c'était pas un problème d'argent. C'était un problème que j'étais abandonné. Le milieu m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné, sauf ma femme, sauf mes parents, sauf ma famille, sauf mes proches. Mais tout le milieu du vélo m'a abandonné. Et du coup, tu te cachais quand tu faisais ça ? Mais bien sûr. C'était bien organisé, ça se passait comment ? Mais c'était... D'abord, c'est de la honte, parce que j'avais honte. Donc, ma femme, qui n'est pas folle, elle s'était rendue compte que j'allais pas bien et qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Mais si tu veux, je me protégeais que dès qu'elle abordait le sujet, je devenais agressif pour me protéger et qu'on n'aborde pas le sujet. Elle ne le savait pas. Voilà. Non, elle ne le savait pas. C'était pas des trucs, c'était des cachets, quoi. Ah non, c'était tout un injectable. Hein. Mais bon, tu sais, une injection, un coureur cycliste. Hein. Pardon, on coupe. Oui, ma chérie. On est on a bien roulé. Je suis à Saint-Sylvestre. Ouais, bis. Je te disais, faire une injection, c'est pas un problème. Hein.
c'est les grands débats qu'il y a eu, parce que où commence le dopage, où s'arrêtent les soins de récupération, où commence le dopage, ça a été des grands sujets de discussion. Et le problème, si tu veux, c'est que moi j'ai connu l'époque, je ne sais pas c'est comment aujourd'hui, mais j'ai connu l'époque, si tu veux, où on prenait les vitamines, non pas en comprimé, mais en injectable, parce que ça a un effet beaucoup plus immédiat. En toute honnêteté, est-ce que s'il n'y avait pas eu l'intervention des gendarmes, puis le passage par la prison, j'aurais arrêté? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire. Tout ce que je sais, c'est que 3 jours après que j'étais en prison, j'étais persuadé qu'ils pouvaient me relaisser sortir. C'est bon, j'avais compris la leçon. J'avais refait tout le film, c'était bon quoi. Sauf qu'ils m'ont laissé pourrir 8 mois. Quoi. C'est mon milieu familial qui m'a sauvé. Mais si t'as pas ça, que tu rentres en prison, je ressors de là-bas, je suis le plus grand voyou de Bordeaux. J'ai jamais vu autant de choses de ma vie, ma parole. Hein. Voilà. Donc. T'as vu quoi? Ah ben des vrais voyous. Des vrais voyous qui m'expliquaient que. Mais toi là qui as fait du sport et tout, là, tu vas faire quoi après? Mais moi j'avais des photos de vaches, de ma ferme, au-dessus de mon lit. Et il me dit, mais tu vas quand même pas faire agriculteur? Ben si, moi quand je sors de prison, je fais agriculteur. Et les gars, ils me disent, mais t'es le plus grand malade qui existe. Viens avec nous, nous on fait des casses, on va faire des banques, on va faire des trucs. Si on se fait attraper, on aura planqué de l'argent. Ils t'expliquent par A plus B qu'il y a 50 solutions pour gagner beaucoup d'argent facilement, mais qu'en fait, il faut surtout pas aller travailler. Quoi. Et il faut savoir que tu as des gens faibles qui se retrouvent en prison, qui sont capables d'aller dire qu'ils ont, je sais pas, tué telle personne alors que c'est pas vrai, tellement on te met dans un état psychologique, c'est de l'harcèlement psychologique. Mais vous savez mon histoire, je dis vous, mon histoire, c'est quasiment la même que Pantani, hein. Faut pas rêver. Hein. Et Pantani, il est mort le pauvre dans une chambre d'hôtel d'une overdose, mais Pantani, c'est exactement la même chose qu'il a vécu que moi. Le jour où ils l'ont suspendu, la veille de l'arrivée du Tour d'Italie, alors qu'il était maillot rose, moi je peux comprendre qu'il s'en soit jamais remis, psychologiquement, parce qu'il savait que tout le peloton prenait la même chose que lui, mais sauf qu'il y a certaines personnes dans les instances italiennes qui ont dû dire non, Pantani cette année il ne va pas gagner le Tour de France, le Tour d'Italie, on va aller le contrôler et voilà. Tu veux dire qu'on s'est pas occupé de lui? Mais bien sûr, quand un gars comme Pantani meurt dans une chambre d'hôtel, mais tu crois qu'on s'occupe des coureurs après leur carrière? Alors aujourd'hui ça a changé peut-être, j'en parle à chaque fois avec Pascal Chanteur, que je connais très bien, qui est président de l'UNCP, qui s'occupe des coureurs. Je lui en parle tout le temps de ça. Mais moi, je regrette. Si j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé, c'est parce que le milieu m'a laissé tomber. Alors le milieu va dire, ah ben oui, mais c'est sûr, tu as été 2 fois positif. Mais moi, je dis que les 2 fois, c'était deux contrôles trafiqués. Mais personne jamais n'est venu pour essayer de savoir, de comprendre, de savoir si psychologiquement j'allais passer le cap, j'allais pas le passer. Voilà, je veux dire, Christophe Dupuy, mon meilleur ami, il est mort pendu au bout d'une corde. Quelqu'un s'est posé la question de pourquoi? Toute la grande problématique, elle est là. C'est que on s'occupe de nous pendant des années, tant qu'on sert à quelque chose, tant qu'on est valable, tant qu'on est bon. C'est comme un cheval de course, quoi. C'est au tiercé. Je pense ne pas avoir été le seul, je veux dire, de mon époque. Hein. Si on prend tous les coureurs de mon époque, à avoir fait des conneries. Par contre, je pense que j'ai morflé et que j'ai payé pour... j'ai été l'exemple. Ça, je le pense vraiment.
Oui, bonjour. C'est Laurent Roux, le marchand de paille. Là, il n'a pas entendu. Il m'a rappelé. Vous allez voir le paysage tout à l'heure. On va complètement changer. Bon, là, on met le petit plateau. Et on attaque le col. On monte. Bon, Laurent, bien dormi ou quoi? Bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi du tout, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Parce qu'on a tellement parlé de vélo tout hier, que du coup, je crois que j'ai fait une course cette nuit. Ou je sais pas quoi, en fait, je me rappelle plus exactement, mais j'ai fait que rêver de vélo et de trucs bizarres. Donc au final, mal dormi. Pas encore, on est trop loin. Les sommets, il faut attendre. Tu vas t'échapper, oui, mais ils vont venir te rattraper après là-haut. Combien de Tours de France t'as fait ? 5. 5 Tours de France. Je croyais un peu moins. 5. J'en ai fini 4. Oui. C'est peut-être pour ça, vous retenez les 4 que j'ai fini. Non, 5. 5. 5 Tours de France. C'est genre mal. Ouais. C'est une expérience. Des expériences. Bah, le Tour de France, je ne loupe pas une étape. Ou alors... Et vous avez Romain Bardet qui est. Eh bien oui. Presque 10, ce qui n'est pas loin, quoi. Pas bien loin, là. C'est un Cantalou, c'était. Un Cantalou, oui. On a combien ici du Cantal? Le Cantal, on est pas loin, à 15 km. 15 km du Cantal. C'est du monde, on est dans le Cantal. Et voilà. Et du coup, ça tombe bien, quoi. Super, parce que le samedi, pour manger, attendez. Belle vache. Ça rappelle quelque chose là. Ah, ça c'est ma passion. Les limousines, les vaches à viande, la sélection et le sélectionneur. C'est vraiment... Là c'est Clarine la première, la deuxième c'est Écaille, après c'est Banquise, là c'est Gloire, là c'est Lissan, là c'est Cachette. Et regarde le regard qu'elle a, hein. une gâchette. On dit que les limousines, c'est une race sauvage. Elles n'ont pas l'air bien sauvages. Hein. On a un profil axi mardi, là, mais bon, 152 bêtes, on les fait en 2 heures. Mais bien sûr. Quand tout est organisé. La profil axi, pour vous, si vous voulez, c'est une prise de sang qui est réalisée tous les ans sur chaque animal pour vérifier qu'il n'a pas attrapé de maladies, surtout des maladies transmissibles graves. Pour vous qui êtes, on va dire carrément, la vache folle par exemple. Oui, donc cette prophylaxie sert à ça. Donc tous les ans, on a cette prise de sang obligatoire qui est obligatoire. Donc tous les animaux ont un prélèvement sanguin qui est analysé. Et on contrôle l'antidopage. Je sais pas, on va vite faire.
J'ai cassé une dent là, c'est pour ça que c'est. En discutant avec ton papa, il me disait qu'en fait, à la base, tu n'étais pas destiné à faire agriculteur. Pas vraiment, non. Ah, je savais pas, je croyais que tu avais toujours été ici. Non, j'étais sur une planche à dessin. Dessinateur, carrément. Dessinateur, ouais. Dessinateur industriel, dessinateur. Oui, oui. D'accord. Mais je faisais aussi des plans pour une oxycoupe, mais sinon... Mais jusqu'à quel âge? Oh, ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait ça presque 4 ans, quoi, c'est tout. Ah, d'accord, donc ouais. Tu es revenu après l'agriculture relativement vite. Voilà. D'accord. Et toi alors, tu faisais quoi? Moi, ouais, j'ai fait un peu de vélo. Et j'ai essayé. Non, ouais, j'ai fait du vélo. Comme d'un coup, tu sais, là tu peux lâcher tout, c'est plus pareil. Je sais pas.